Voilà. Attendez, je vous fais d'abord écouter. Et après, maintenant, s'il y a des gens. Je vous fais. Attendez, je vous fais d'abord écouter les voix. Et après, maintenant, s'il y a des gens qui dérangent, je note leur nom, je bloque. Je vais marcher maintenant avec le stylo. Attendez le volume. Ce n'est pas au niveau de Emma Loès. Tu as amené ta camarade Albertine. Ta camarade Albertine peut se comparer à Emma Loès. Il dit, yeah, maman Nangaï, Jésus-Christ de Nazareth, ouais. Le jour que Emma pourra se comparer à l'orteil de Albertine, je me suicide. Le jour que Emma pourra se comparer à l'orteil de Albertine, je me jette de mon quatrième étage. Elle n'a qu'à d'abord finir, moi. Une envieuse, ma soeur. Une envieuse. Attends, Melian, pardon, notez-moi le numéro de celle que doit bloquer. Ornelia, donc, tu vas être bloquée aussi, donc t'inquiète même pas. Une envie, elle n'aime pas le bonheur d'autrui. Là, maintenant que moi, j'aime vous lancer, vous vanter. Karel, ma puce, bisous, bisous, bisous. Non, on va faire le nettoyage et après, ne vous inquiétez pas, même demain, je recentralise. Ah, ma copine Albertine, elle a si, ma copine Migès, elle a si. Elle, là, petit que moi, j'ai là ses problèmes. Je vais rester telle que je suis. Je leur mets des billes, c'est moi, ma soeur. C'est ça qui est ça. Bonjour ma soeur, désolée hier le sommeil m'a emporté. Je t'ai dit depuis le début que cette fille c'est une menteuse. C'est une grosse menteuse. Regarde la feuille d'or, 3 euros. Je t'ai dit que la facture là même, c'est comme les factures pro forma que tu viens, tu pars peut-être dans un magasin. Tu dis que tu veux faire. La pro forma, tu veux qu'on te donne la pro forma. Voilà, donc quand je coupe comme ça, c'est pour vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, maintenant, ils étaient en train de faire le soco de Emma Louès. Vous vous rappelez quand Emma Louès est venue manger la viande d'or ici, là, en France, là, non? Voilà, écoutez. Pour, je sais pas moi, ou tu parles d'un restaurant, tu dis que tu vas venir. Dîner avec peut-être 5 personnes, tu veux la proforma pour un dîner de 5 personnes, entrée et plat de résistance, dessert, plus peut-être bouteille de champagne, et vin. Ils vont tout donner. C'est entre Emma Louès et Emmanuel Keïta. Vous ne comprenez pas quoi. Hein? Ornelia, c'est comme ça que vous venez demander les excuses. Après, quand j'ai à bloquer, tu as ta chance que je suis en train de me concentrer sur son corps pour mieux les expliquer pour qu'ils puissent comprendre. Donc, ici, là, ça se passe entre Emma Louès et Emmanuel Keïta. Ok. C'est ce qu'elle a présenté. Qu'est-ce qui te dit même que c'est pour elle? Qu'est-ce qui te dit même que c'est elle qui a filmé? Qu'est-ce qui te dit même que c'est elle qui a filmé? C'est une menteuse. Regarde la feuille d'or, combien? Tout le monde a dit que manger la viande est 750 euros. Que c'est quoi? Même toi-même, tu as dit, toi qui manges dans des restaurants étoilés. Je t'ai dit qu'elles sont sur les réseaux sociaux pour faire le bluff. Pour faire le bluff. Pour montrer qu'elles ont, je te dis, quand tu pars regarder au fond, même sa voiture qu'elle avait tapé la bouche ici, qu'elle a payé sa voiture, c'était à 100 millions. C'est des bêtises, elle ment. Et je t'ai toujours dit que c'est un homme qui se cache derrière tout ce que tu vois qu'elle fait là. Donc, un homme bien assis. Voilà. Donc, ils font le Congo ça que c'est un homme qui se cache derrière l'agent de Emma Louès. Que vous dites que les stars là font le Congo ça entre eux, non? Écoutez. Qui la gâte et tout. Regardez MK Secret, la dame qui avait organisé la conférence de EK. Elle a parlé, c'était logique. Elle a dit, on est fatigué qu'à chaque fois tu viens montrer que tu as l'argent. Montre-nous comment tu travailles pour acheter l'argent des sacs que tu offres partout aux gens là. On est fatigué que quand tu fais un devis, montre-nous comment tu travailles cet argent. Que chaque personne qui vient te rendre visite, tu achètes un sac et tout. Je te dis que ma soeur, en plus même dès que la maîtresse de quelqu'un, cette fille a trempé quelque part. Tu m'entends? Elle a mis sa main quelque part parce que là, ce n'est plus simple. C'est plus simple. Il dit que mon demi Dieu c'était la fille ivoirienne, c'est celle de Leslie. Leslie, non, parce que le jour de la conférence d'Emmanuel Keïta même, elle était là. Donc, elle est maintenant qu'amie avec la prostituée de Monaco. C'est pour ça qu'on dit que maman, il faut avoir peur. Camerounais ivoirien. Les voix ici sont mélangées. Attendez, je vous explique. Je vous ai dit que dans les voix ici, non.
Le nom de la nationale est dedans. Le nom de notre biscuit de mer est dedans. Donc, ils ont mélangé. Je vous quand je me pose, pour que vous puissiez bien comprendre, je vous explique pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Donc, il y a certaines femmes-là qui se disent riches. Bon, moi, je ne sais pas dans quoi elles sont riches. En fait, bref, elles sont mariées avec des hommes, des whites ici, là, qui ont les dos. Vous comprenez, non? Donc, elles ont un clan comme ça, là, des clans de jeunes femmes riches, un truc comme ça, et tout, et tout, et tout. Donc, maintenant, Emmanuel qui avait intégré le clan là, bon bref, elle marchait avec une parmi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Elle marchait avec une parmi. Maintenant alors, elles avaient un groupe où elles se retrouvaient là-bas, fait le Congo, ça sur les stars. Après, elle dit, hey, j'ai encore moi, mon Congo, ça, vous entendez comment eux? Hein? Hein? Donc les go ont le Congo, ça plus que... Vous entendez, non? Donc, maintenant, ils ont un groupe d'entre femmes de whitey. Ah, et maintenant, elles se faisaient le Congo, ça. Maintenant, ils ont cité le nom de la nationale dedans. Ils ont expliqué pourquoi la nationale est partie de Yaoundé. Marché. Ils ont versé là-bas. Ils ont expliqué pourquoi Biscuit a fait quoi. Mais c'est les voix, ils sont beaucoup, c'est mélangé. Donc, quand je mets la pause, non? C'est pour mieux vous expliquer, puisque vous puissiez bien comprendre. Parce que moi, les voix se sont un peu mélangées. Hein? Attendez, je vous explique. Et les voix se sont mélangées dans tous les sens. Donc, ils sont obligés de faire un peu pause comme ça. Je vous explique pour que vous ne puissiez pas être perdu. Donc, je vous laisse écouter. Écoutez. Les Ivoiriens, ce sont les mêmes gens. T'es jeune. J'ai vu comment elle a lancé le direct en disant que... Pour ceux qui veulent venir se chercher dans la vie, ils viennent dans l'hôtel ou bien c'est créé d'Albion, quoi là. Que c'est grâce à cet hôtel qu'elle a payé son appartement. Donc tu vois une bête fille comme ça. L'hôtel dont elle parle, c'est l'hôtel où on vend le piment. Comprenez, non? Donc quand vous partez vous asseoir là-bas, vous cherchez les gibiers. Ou c'est bon, du coup, c'est très d'adieu. C'est que les filles qui aiment la facilité vont aller s'asseoir là-bas. Ils savent pas où l'hôtel est situé. Hein? Donc, elles vont aller s'asseoir. Donc, que si vous voulez avoir le moka là qui ont les dons, non? Vous partez là-bas travailler. Vous vendez le ndongo là-bas. Je dis que si vous l'avez tensionné que nous, on a volé ma seule peluche que j'avais. Tu vas me... Merci, Audrey Sabrina, pour les étoiles. Merci. Petite fille comme ça, elle se prostitue, tu ne vois même pas la valeur. Elle m'a tout parlé des maisons. Quelle maison? Si elle avait une bonne vie, c'est que les gens peuvent respirer sur Facebook. Moi, les dieux aussi. Seigneur, on dit que... Ici, là, ils sont en train de parler de Natacha de Monaco. Oui, voilà. Ici, ils sont en train de parler de Natacha de Monaco. Ils ont le nom des gens, non? Et dans tout ça, la bêtise, non, elle fait insister. Allô, maman chérie. Ouais, mon Dieu. Donc, elle pense que, elle, quand elle m'envoie le message comme ça, on ne saura pas que c'est elle. On ne saura pas que c'est elle. Ouais, Seigneur Jésus, on peut suivre la vie d'une personne comme ça. Donc, non. De tous les commentaires qui étaient faits sur ta page hier soir, c'est que pour moi qu'elle a vu, j'ai vu que ça ne finit pas. C'était que, oh, l'idiot, c'était quelque chose. Hein. Tellement tu as envie d'attendre Natacha de Monaco, tu es obligé d'aller l'insulter sur la page de ta patronne. Elle... Voilà. Attendez, elle vous explique. Comment vous expliquez donc? Ça s'est gâté tout de chacun a versé les voices de l'autre. Oh, toi, tu avais parlé de telle personne. Oh, toi, tu avais dit comme ça de telle personne. Oh, toi, tu avais dit ça de telle personne. Donc, chacun a versé le soco de l'autre. Donc, comme il y a une qui a osé clasher Natacha de Monaco. Natacha de Monaco était amie avec Albertine. Albertine qui est amie avec Emma Louise. Non, avec Emmanuel Keita. Hein? Avec Emmanuel Keita. Emmanuel Keita qui était ex-ami de Emma Louise. Donc, en fait, Emma Louise qui est amie avec Nathalie. Nathalie qui est amie avec Biscuit. Donc, tout le monde en a pris.
On verse les secondes de chacun. Donc, si on entendait avant moi de voix à l'autre, qui avait moi de voix à l'autre, qui avait moi de Et vous dites que non, les voix là sont mélangées. Je n'ai pas eu le temps de bien trier. Donc, je vous explique au fur et à mesure. Ouais, Seigneur. Ouais. Le secoué, attendez. L'institut sur la face de ta patronne. De ta patronne. Elle pense que je ne connais pas que c'est elle-même qui écrit. Juste en même chez Tata. Ouais. Mon Dieu. Oh non. Elle a fait ma journée. Mon adorable maman. J'ai vu ça. Peine qu'elle nous veut m'envoie le message. Je demandais. Olivia, là, elle vous fait quoi dans l'agriculture? Parce que je ne comprends pas. J'ai vu une vidéo, là, elle était dans les champs. Elle a commencé l'agriculture à Oubala. Vous connaissez Olivia sur Instagram, non? Olivia, sur Instagram. Vous la connaissez, non? La femme qui est dans les hôtels gris, les hôtels riches, là, non? Olivia, je ne sais pas si vous connaissez Olivia. Mais si vous êtes les socoyeurs, il y a des gens que quand ils doivent citer les noms, vous devez connaître. Donc, on ne parle pas de son concert, seulement Mumu. Parce que j'ai l'impression qu'on ne parle de son concert, seulement sur Mumu, sur Amy, les Rosines, et qui encore là, les Poupies, et c'est moi là-bas. Merci pour les étoiles, Soso. J'ai l'impression qu'on ne se concentre seulement là-bas. Hé, hey, maman. Écoutons. Au village, elle a pris le sac MS. Le pyjama, dans un truc, pardon, qu'elle reste tranquille, maman. Okay. Maman, laisse-moi, c'est quoi le projet au village habillé comme ça, là? Allez, maman, les baignards, les coquins, ils se quand. Hé, ma chérie, toi aussi. Ce n'est pas toi que j'ai raconté l'histoire qu'on m'a raconté, qu'elle a pété les plombs au bled, elle a commencé à voir le serpent. Elle a commencé à dire qu'elle ne veut pas mourir, machin, et tout ça. Je ne t'avais pas raconté l'histoire. Attends, je viens te raconter. Je finis un petit truc. Je dis que ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend même pas. Ça ne me choque même pas. Voilà, Gabriel, tu as trouvé le nom de la personne. Oui. Gabriela Elon. Exactement. C'est le nom-là. Voilà. Je veux dire que c'est mélangé. Tu as trouvé. Tu es une vraie socoyeuse. Ça, c'est nos stades d'Instagram. Tu as trouvé. C'est normal. Ça allait même me surprendre, même si ce n'était pas ça. Tu sais comment je ne suis pas abonnée à elle. Elle et moi, on ne se suit pas sur Facebook. Oui, bonsoir, ma soeur. Il fallait que je mette mon téléphone en charge parce qu'il n'y avait pas la lumière. Ce que tu dis est vrai parce que il y a, je ne sais pas quelle fille clashait Emma. C'est une fille qui a décidé de soutenir Emmanuel Keïta quand les gens sont tombés sur Emmanuel Keïta après sa conférence. Elle s'appelle Leslie Étoile. C'est Leslie Étoile qui a mis le secret dehors. Que tu es là, tu fatigues les gens sur Facebook avec les factures, les machins. On sait, en fait, elle fait comment? Par exemple, comme toi, tu es là, ok? Tu le connais, tu ne t'y connais pas, peut-être dans des tissus, par exemple. Tu me dis que ma soeur, pardon, j'ai ma cousine qui s'est mariée là-bas et je veux que tu achètes les tissus pour moi. J'ai besoin, par exemple, de 100 pièces, les tissus. Tu vas aller donner ça à ma cousine. Donc, tu m'envoies l'argent. Je ne vais pas acheter. Est-ce que quand je vais acheter les tissus, je ne vais pas mettre ça au nom de Albertine Kana? Je vais mettre ça au nom de Joël Bognis. Tu vois, c'est ce qu'elle fait. Une fois, elle avait présenté les diamants. C'est Leslie qui a dit que tu racontes des bêtises. Les diamants que tu montres là, ce n'est pas pour toi. C'est une dame au Mali. Donc, c'est comme ça qu'elle fait. Tu m'entends? Donc, même quand tu la vois partir dans les études de Chivendi, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle a beaucoup de partenariats avec les chantons, elle est comme les gérée de certaines choses, de certaines marques. Tu vois, elle, maintenant, elle a des contacts. Exactement, coup t'en quitter. Exactement. Il y a des le socco est dosé sur votre. Donc, sur toutes vos influences, tout est mélangé ici. Vous avez un clan de jeunes, de femmes riches là. Dans le clan là, le socco qui avait dedans, non? C'était la magie. Tout est explosé. Elle a des contacts. Des femmes qui lui disent, ok, par exemple, je vais te donner l'argent, tu vas aller dans le boutique Chanel parce que tu t'y connais, j'ai vu que tu t'es filmé par exemple avec telle qui travaille à Chanel, tu vois, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Même l'argent que tu vois Emma avoir là, Emma fait dans le blanchiment d'argent. Emma Louis fait dans le blanchiment d'argent. C'est-à-dire que quoi? Elle ouvre son spa, elle a maintenant des hommes d'affaires, des trafiquants de drogue, qui viennent lui dire, ok, on va ouvrir un compte à ton nom. Sans affirmation, même. Donc vous comprenez, non? Sans affirmation. Elles sont en train d'affirmer. C'est sur Facebook, d'ailleurs, c'est la version. Elles sont en train d'affirmer. Quelles sont les preuves? Vous voyez à quel point ces femmes-là adorent le Congo, ça, non?
on me dit pointer du doigt Aïcha, parce que moi je fais ma part de Congo ça. Ce que moi je pense, je le dis ici, là tout le monde entend, tout le monde voit. Mais elle est folle au Congo ça de l'hypocrisie, sans raison, moi les étoiles, pardon. Il est 1h du matin. Si elle dormait et que demain il devait avoir notre sujet, elle dit qu'Aïcha, tu nous as pas fait sans raison les voix. Il y a des problèmes. Lui, c'est 1h du matin, justement. Il a dormi, il était fatigué de dormir. À cause de vous. Que tu debout pour sacraliser. Donc, sacraliser moi les étoiles. Mais on peut s'asseoir sur la vie des gens comme ça, sans preuve. Maman Serena, tu as vu, non? Tu as vu, non? Après, on va dire comme sur le Kabak, maman. Après, on va dire que Aïcha, comment j'aime le Congo ça? Aïcha, comment j'aime le Congo ça? Vous avez vu, non? Regardez que ces filles-là, entre elles, vous allez vous asseoir. Le problème, c'est que pour moi, c'est ouvert. C'est devant tout le monde. Je fais tout le monde voir. Tout le monde sait comment je fais ma part de Congo. Ça. Mais elle, c'est pour ça que je ne peux même pas culpabiliser. C'est ça. Le Congo, ça qu'elles font. Je vois que Dieu va te punir. Dieu va me punir parce qu'il faut le Congo. Ça. Tu n'as pas PayPal. Victor, j'ai PayPal. Mon PayPal, c'est aisha.camoise@gmail.com. Voilà. Hein? Laisse-moi dormir. Je suis en train de laver le visage à cause du soco. Non, non, attendez, non! Parce que, oh, Aïcha Kamoise, Dieu va te punir. Dieu va te punir parce qu'il faut le Congo ça. Merci pour les étoiles. Voilà mes lions. Enfin, même si c'est. Même si ça à 4, on va dormir à 4 aujourd'hui à cause des étoiles. Autant d'étoiles d'hier, même si à 4, on va dormir, on va suivre tous les voices là. Vous avez vu ce qu'elle disait, non? Que la différence, c'est que moi, hein, oui, elles sont pires que les filles là entre elles. Il faut voir comment elles font le Congo, ça. Vous savez qu'elles font les pètes là comme ça, elles viennent sur Facebook me diaboliser, Aïcha comme ça, je fais le pipi. Quand il y a un Congo, ça, elles sont dans mon inbox, hein. C'est pas parce que moi, je suis pas quelqu'un qui affiche les gens. Je devais les afficher, ça, vos yeux devaient sortir comme ça. Elles dans mon inbox, Aïcha, tu as le soco là. Il y a le soco de telle, hein. Entre eux-mêmes, les stars, ils viennent souvent me balancer le soco des autres. Hein. Après, c'est pour dire qu'Aïcha aime trop le Congo, ça. Écoutons, hein. Écoutons, maman. Les voix, ils sont là dehors. Petit coquet, on ouvre un compte à ton nom. Non, blanchir l'argent avec ton truc d'empire là. Tu m'entends? Et toi, derrière, tu as tel pourcentage. Et m'a fait quel cinéma pour lui donner l'argent à ce niveau. Seulement les ongles, les perruques, dans le, elle fait, non seulement elle fait dans le blanchiment d'argent, et la plupart des choses que tu vois là, c'est des choses qu'elle n'a pas achetées pour les gens. Leslie a sorti son secret. Leslie a dit que tu es là, tu déranges les gens sur Facebook tout le temps. La seule vraie influenceuse qu'on a vu elle acheter, c'est la Malienne. Elle colle l'amitié à la Malienne là, qui va, c'est Sodia Diabata aussi, je sais pas trop qui là. C'est elle qui croise toutes les influenceuses en Afrique. Toutes les influenceuses, elle est Emma Louise, Coco Emilia, elles veulent tout marcher avec cette fille. Parce que quand cette fille dit qu'elle achète, elle achète le diamant et te rend bête. Tu vois, non? Donc, elles veulent toutes copier. Et, ou c'est Sora Diabata, ou c'est Sora qui. Mais elle fait comme ça. Je t'ai expliqué simplement que tu peux, par exemple. Bah, ok, je te prends un gars. Comme le gars de la Centrafrique, il veut venir, par exemple, ouvrir le compte. Et bien, par exemple, il me donne 50 millions. Il dit que ça va être ça que tu ouvres le compte. Elle vient vous faire les snaps. Elle vous dit que, oh, je viens d'avoir un marché, machin, j'ai gagné 50 millions. Alors que ce n'est pas son argent. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Ces filles que tu vois là. Je te prends un exemple qu'on vient me donner, par exemple, 50 millions. Elle te dit que non, ça, ce sont des. Alors que ce n'est pas pour elle. Elle fait dans le blanchiment d'argent, cette fille que tu vois. De haut niveau. De haut niveau. Tu vois, non? Mais comme elle a constaté qu'il y a trop de rêveuses en Afrique, il y a plein de filles qui veulent avoir sa vie. Leslie même avait dit que la maison où elle habite, en fait, sa grande sœur est mariée à un homme politique. Merci, Petro. Merci, Petro. Merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles. Merci que Dieu te donne au centuple. Et Dieu, tu fais me diaboliser. C'est moi qui ai amené ça sur Facebook. Voilà, ça là-bas. Victor, merci pour les étoiles, Victor. Victor, papa, dit comme ça, finalement, il envoie les étoiles. Elles vont venir, Aïcha Kamoise, c'est mauvaise personne. C'est moi qui ai amené ça, hein. C'est moi. Voilà ça qui se suit les pages Facebook, hein. Ok. Écoutez. Riche, en Côte d'Ivoire. C'est Leslie qui avait dit que la maison même où tu habites là, c'est ta soeur qui t'a donné la maison. Et tu as seulement refait à ton cul. Wombo! Finissez-moi les étoiles. Le secret dehors. Tu as quel argent? Tu as travaillé quand? On a vu. Tu vois, non, c'est ça. Maintenant, quand tu n'avais pas donné les dons au
Les pauvres là, elles prennent alors qu'elle est en train de prendre plutôt autre chose en échange. Ce n'est même pas qu'elle aide, ça, ce n'est même pas l'aide. Hein? Ce n'est même pas l'aide. Vous comprenez comment les femmes sont jalouses entre elles? Donc, on ne peut pas donner les dons là, ce que, oh, ce n'est pas qu'elle peut pas prendre la chance des enfants. Vous comprenez comment les femmes sont jalouses entre elles? Même les milliardaires que vous voyez que sur Facebook, milliardaires. Je vous dis que c'est le pop-pop du Congo, ça. Si on ferme mon ventre, c'est ce qui va sortir. Hein? C'est qu'elle elle prend chez ses enfants là. Quand elle peut parler de filles vieilles, donc elle prend les chances de ses enfants pour mener dans sa secte. Ça, ce n'est même pas l'aide. Hey, c'est tout. Non, l'aide. C'est. Ça dit, je te dis que. Il faut que je voulais te parler que. Nathalie, parfois, elle fait les choses, je regarde, je dis, parfois mon esprit a commencé à tiquer que. Ici. Comment d'un coup comme ça, tu fais les choses comme ci, comme ça, et son parcours, je vois comment elle même les filles avec qui elle a eu des problèmes, qu'elle se bagarrait, elle se bagarrait avec des filles là, il y a des filles avec qui elle se bagarrait, même dans les camions à Lyon là-bas là. Je connais les filles avec qui elle avait eu beaucoup de problèmes, à Lyon. Ils se bagarraient souvent là-bas là où les filles font le les filles partent souvent se poursuivre là-bas là où on aligne les voitures. Elle a bagarré là-bas avec les filles. Donc vous comprenez, elles sont en train de verser leurs secrets. Vous comprenez qu'entre elles là comme ça, il y a même d'autres qui vendent seulement que le piment. Oh Victor, merci pour les étoiles Victor. Vous comprenez qu'il y a d'autres qui vendent le piment. Mais elles viennent sur elle nous dire qu'elles sont riches. On ne sait pas d'où sort la provenance des dos. Écoutons. Elle avait beaucoup, c'est pour ça que avant là, quand elle a eu celui qu'elle appelle King Royal là, toutes les filles qu'elle amenait sur la base, c'est seulement ses collègues des camions là. Et tout d'un coup, elle commence à faire comme si. Non, mais tu peux même faire un truc après, tu te répands. Mais dans la vérité, tu ne peux pas maintenant commencer à venir mentir les gens alors que tu es déjà entré dans une autre dimension. Tu vas venir mentir les gens au nom de Dieu. Ça, c'est quelle histoire? Maman. Oui, je suis en train de dire que tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Je te dis que cette fille, son retrait même des réseaux sociaux, non, c'était conditionné. Elle n'est pas bête. Une fille qui a fait la fête dans toute l'Europe. Et qui était dans tous les événements de Paris, de France, de Belgique, de tout. Elle était tous les événements africains, elle était là. Elle se faisait appeler Béatrice, elle montait combien elle a l'argent. Une fille qui verse l'argent comme ça sur les photos, sur le machin. Elle vous dit qu'elle a peut-être 600 millions, ou c'est combien de millions, ou c'est combien, ou c'est 60 millions qu'elle a. Elle est venue construire. Je dis, ça fait pas. Si vous êtes sur Facebook récemment, ici, ils sont en train de parler d'une tata qu'on appelait Nathalie de Monaco. Elle construisait beaucoup de choses comme ça au Cameroun et tout. C'est d'elles qu'ils sont en train de parler. C'est qu'ils ont tout versé entre les milliardaires là, et les influenceuses. De ces conditions, il fallait d'abord qu'elles vivent la richesse. La deuxième étape consistait à se retirer un bout de... On doit revenir sur... Coco, j'entends faire un direct tout à l'heure. Je dois aller patrouiller dessus. Je dois vous revenir sur ça demain. On ne s'embrouille pas. Même pour eux, là, le socorro est dans mon inbox. Maintenant, elle vient maintenant faire la promotion proprement dit de la secte. Elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Tu m'entends? Et je te dis que le genre de fille la trempe dans des trucs louches. Parce que plusieurs fois, les gens l'ont accusé de trucs louches. Quand les gens la clashaient tout le temps. Il y a une fille même qui l'avait accusée en Italie que tu n'as rien. Elle avait, la fille avait dit qu'elle avait pris les habits chez elle. Les habits, c'était 300 euros. Elle n'a pas pu payer. Dit que mais tu es là, tu exhibes un argent qui n'est pas le tien. La fille, elle avait clashé sur les réseaux sociaux. Il y a Nathalie de Monaco. Il y a Natacha de Monaco. Ne vous embrouillez pas. Tout ça sont les filles qui sont mariées à les white qui disent qu'ils ont l'argent. Tout ça là, c'est la même chose. Donc. Tu dis que remets-moi mes habits parce que la fille vendait les habits en ligne. La fille dit que tu es là, tu dis que tu es milliardaire alors que tu n'as rien. Tu me dois 300 euros que tu as pris les habits depuis. Tu n'arrives pas à me payer. Je t'ai envoyé les habits depuis l'Italie et tout. Je dis que je peux te retrouver les directs là. Tu m'entends? Donc, son retrait des réseaux sociaux là, c'était stratégique. C'était de la stratégie et imposée par sa secte. Et je te jure qu'elle a déjà mis les gens là-dedans comme ça là. Pleine. Parce que je te dis que les filles africaines aiment le bluff. Tu m'entends?
Les filles vont partir et dire, ben oui, elle va te dire, non, 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 elle confie en elle, je suis déjà morte. Tu me vois depuis l'esprit, je suis morte, n'est-ce pas, je suis en vie. Ça ne tue pas, ça ne fait pas. Mais elle ne va pas vous dire quelles sont les conditions qu'elle est remplie derrière. Elle ne va jamais dire quelles sont les conditions qu'elle est remplie derrière. C'est comme ça qu'elles font leur truc là. Tu penses qu'elle est arrivée à ce niveau-là pour rien? Les marchés qu'on lui donnait, elle a trouvé que c'est pour rien. Tu penses que c'est pour. Je t'ai pris l'exemple d'une jet-setteuse comme elle est là. Regarde, je te prends un cas. Regarde une fille comme Emma Lewis, qui est tout le temps sur les réseaux sociaux, qui montre tout ce qu'elle veut. Du jour au lendemain, Dieu vous dit que je ne suis plus sur les réseaux sociaux. J'ai donné ma vie à Dieu. Tu crois que ça va passer facilement? Les gens vont dire qu'il y a quelque chose derrière. Les gens vont dire qu'il y a quelque chose derrière. Donc c'est pour te dire que son retrait des réseaux sociaux là, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. C'était pour endormir les gens. Donc maintenant, elle va leur montrer sa vraie nature que. Attendez. Voici ce que je suis dans la vraie vie. Voici ce que je suis dans la vraie vie. Et crois-moi qu'elle ne se rapprochait pas des gens pour n'importe comment. Hein. Elle se rapproche des gens qui ont un certain aura. C'est comme ça. Le secteur ne vient jamais vers celui qui ne lui apportera rien. Le secteur vient toujours vers quelqu'un qui a un aura. Un très grand aura. Voilà. Non, non, vous n'êtes pas perdus. Je vois les gens parler et prononcer les vrais noms. Oui, les socoyeurs qui sont dans le direct. Si vous n'êtes pas perdus, vous comprenez. C'est bien. J'ai dit que vous devez être perdus comme les voix se sont mélangées là, non. C'est bon. Vous n'êtes pas perdus. On continue. On dévoile. Même quand le sorcier veut faire du mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'il choisit toujours qui dans la famille? Soit le plus intelligent, soit celui qui a le plus de chance. C'est comme ça. Donc, peut-être même que son rapprochement là, c'était parce qu'elle a vu que tu as vu une forte étoile. Et si tu étais le genre de fille facilement malléable, elle a dit que non, ma soeur, je sais comment je peux faire pour qu'on arrive encore. Tu vois un peu comment les filles sont, non? Oui. Elle est très maligne, cette fille. Une fille qui cassait les bouteilles de champagne dans tous les événements de même. Du jour au lendemain, décide de se retirer, maman. Une fille qui aime exhiber sa vie comme tout. Parce que Natacha ne fait rien. Nathalie de Monaco. Aujourd'hui, quand elle achète le don Périllon, elle vient. Natacha fait quoi? Natacha ne fait rien. Nathalie, c'était. C'est-à-dire que. Elle, c'était que. Elle vous dit même qu'elle règne, c'est les dents avec le don Périllon. Donc, il fallait qu'elle montre d'abord ça. Se retire, et maintenant, vient vous dire que c'est la secte qui me donne tout ce que j'ai. Eh bien, qu'elle parte là-bas, qu'elle n'a même pas les enfants des gens. Parce que ces trucs-là, on ne te donne pas l'argent comme ça pour rien, pour tes beaux yeux. Jamais. Je t'ai dit, ma chérie, comme les Nathalie, là, je sais qu'elle va te faire couper. Je dis que c'est des filles qui ont des CV. Quand tu t'assois, tu dis que, hey, quand tu sors de cette bande-là, que tu es vivante, tu as même le souffle de vie, maman. Même si vous m'avez vu ici dans le sud, comme j'avais mon petit appartement au centre, là, et c'était Dieu merci. Ou même quand je venais d'arriver, mon petit studio à Menton, c'était Dieu merci parce que Dieu m'a relâché le souffle de vie, m'a donné la santé, que je pouvais me m'encombrer. Attendez, Mélion, pardonnez. Parce que normalement, j'étais censée mourir, ma chérie. Je te dis que j'étais censée mourir. Et imagine alors où je suis actuellement. Tu crois que les filles, là, elles ne dorment pas. Où je te parle, là, où je te parle, là, la nuit d'aujourd'hui, je te dis le rêve que j'ai fait, maman. Hey. Hey, moi, ma chérie, je ne suis plus là-bas. Quand tu me vois, moi, je suis quelqu'un, moi, mon esprit est bizarre. Si je fuis quelqu'un, c'est qu'il y a un beau. Je demande... Olivia, là, elle vous fait quoi dans l'agriculture? Parce que je ne comprends pas. Attendez, comme il y a plus. Je demande. Olivia. Attendez, mais. Je veux m'envoyer le message. Je. Jusqu'à le feu sort. Je t'aime jusqu'à le feu sort. Mais une des sites, je me dis carrément que oui. Un cas n'est pas. Je n'ai pas au niveau de. Je n'ai pas au niveau de Emma Lewis. Faut amener ta camarade Albertine. Ta camarade Albertine peut se comparer à Emma Lewis. Elle dit, yeah, maman Nangaï, Jésus-Christ de Nazareth, ouais. Non, je que Emma pourra se comparer à l'orteil de. Mes chers amis, faut expliquer. La saga continue après le dénigrement sur Emma. Sortez, vous bipez les gens, appelez les autres, bipez les autres. Voici Doris qui est la meilleure amie d'Albertine. Qui dit que Paflo est trop une racoleuse et une commandeuse derrière Albertine. Ok, parle. Écoutez. Moi, je m'a dit ça que, ah, je suis sûre que Albertine, elles vont se voir là-bas. Elles vont aller manger au restaurant. Voilà, ça que, je te dis ça, l'esprit de Dieu m'a dit. Quand tu m'as dit ça hier ou avant-hier, c'est passé dans ma tête. Donc, entre elles, là, ils se font le Congo. Ça, maintenant, ça, c'est la maintenant, ici, là, dans le voice, c'est Sim. C'est la copine de Albertine. Albertine qui est amie avec Eka. La copine de Albertine qui fait le Congo, ça, sur EK. Hein? Écoutez, les amitiés, je vous parle ici là tous les jours. Je vous parle ici tous les jours. Connaissez ce que les filles là font ici là sur Facebook? Hein? Si vous savez les un tiers de comment se font ici là derrière, vous n'allez même pas. Donc, que la personne qui envoie 5000 étoiles, Afrique Max. Double. Commence d'abord. Toi, m'envoie d'abord les étoiles, ils vont doubler. Toi, m'envoie d'abord et puis ils vont doubler par la suite. Hein? Selena, les amitiés à deux balles. Les amitiés à dormir debout. Hein? Albertine est amie avec une personne.
Qu'est-ce qu'il y a que tu parles le Congo ça de EK? EK qui est censé être ton ami. Tu transfères les voices de EK à ton ami. Voilà ça maintenant que tu t'es gâté avec ton ami verse tout dehors. Maintenant, MLOS va être au courant que EK parle souvent d'elle. Bon, c'est vrai qu'elle est au courant qu'EK parle d'elle, mais elle n'avait pas de preuves. Voilà ça maintenant. Victor, il dit que si tu donnes 5000, il double. Fais y voir. Hein? Écoutons. La fille, là, c'est quoi ce racolage-là? Hein? Attention! Ça commence fort, là. La fille, là, c'est quoi ce racolage-là? Elle a racolé, elle est venue. J'ai vu le nombre de bouteilles de cristal que tu lui as donné. Pardon? Comment? Le nombre de bouteilles de Dom Pérignon que tu lui as donné pour son clip. Hey! Le nombre de Armand Brignac, de Brignac que tu lui as donné. Elle, ça ne la suffit pas. C'est quoi ce racolage-là? Oui! Mais je crois que... Oui. C'est quoi ce racolage-là? Il faut arrêter ça que tu voyages avec ton mari. Au lieu que tu te concentres spirituellement pour que tout se passe bien, tu vas te pavaner à gauche, à droite, à ville. Ah, mais si tu es une femme mariée. Il faut arrêter ça, ma soeur, non? Une femme mariée qui fait le Congo, ça. J'avais vu Albertine à la conférence de Emmanuel Keita. Elle faisait la femme distinguée. La femme qui ne peut même pas se mélanger. Ils ont souvent les gros, ils font souvent le gros dos. D'autres font une chipa. Hein? Ceux qui disent que mamie sont considérées japonais du Cameroun, j'ai t'ai dit que chez moi, s'il n'y a pas de. Que pause publicitaire pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux. Moi, j'utilise des produits de chez Kamaz Beauty.